Mais enfin, c'est pas un prénom! C'est l'apologie du crime contre l'humanité! Jamais ils te laisseront appeler ton fils comme ça, t'auras pas le droit! Parce qu'il y a des prénoms autorisés et des prénoms interdits! Mais bien sûr! Ok. Ok, bah faisons la liste! C'est vrai? Hein? Faisons la liste. Là, je peux écrire sur un truc là? Tiens, ça là, c'est quoi ça? Cahier de texte de myrtille, parfait. Allez, hop! Oh, bah. Allez! Je vous écoute! Eh ben alors, il y a qu'Adolphe ? Encore ! Non, 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 excuse-moi, mais là, on cherche des nouveaux prénoms. Hein ? T'as peut-être une idée ? Eh ben, je sais pas, moi, Joseph, c'est classique et joli. Ah oui, mais c'est pas possible. Et pourquoi ? Eh ben, parce que Joseph Staline. Oh. Eh oui, eh oui. Ah oui, alors, il y a aussi Joseph, le père de Jésus, enfin, le beau-père de Jésus. Hein, charpentier, honnête et travailleur. Mais Staline est arrivé après, donc on n'a pas le droit. C'est la règle. Voilà, c'est comme ça. Alors... Ensuite, on a également, eh ben, on a Benito, hein. Alors, au revoir Benito, au revoir Franco, au revoir Augusto, au revoir Pol Pot, 3 millions de morts. Oh. C'était des Khmers, d'accord, mais enfin, ça compte quand même, je suis désolé, hein, Babou, il va falloir débaptiser ton chat. C'est Polo. Oui, ben Polo, Pol, on va pas ergoter, j'ai pas le droit à Adolfo, moi, hein. Alors... Ensuite, on a également ben, Pétain qui nous tue les Philippes. On a Laval qui nous tue les Pierres. On a Fidèle, Saddam. Ben, vous m'aidez pas beaucoup. Hein. Vous deviez être nul au petit bac. Hein. Bon, écoute Vincent, si alors, tu continues... Alors, est-ce qu'il y a un nombre de morts limite ? Oui, non, parce qu'on a aussi les tueurs en série. Hein. Gilles de Rais, Francis Holmes, plus contemporain mais quand même bien efficace. Hein. Vincent, je crois qu'on a compris ton raisonnement, on voit très bien où tu veux en venir. C'est sûr, parce qu'on a aussi Jack l'Éventreur, on peut mettre Carlos, dans la catégorie terroriste, on peut mettre Ben Laden, hein. Donc qui dit Ben dit Benjamin. Ben écoute, là, Babou, hein, pour ton chat et mon fils, il n'y a plus grand-chose, hein. Il reste Raoul et Bernard. Ben écoute, je te laisse choisir, le chat est né en premier. Ben écoute, après tout... C'est ton fils, tu fais ce que tu veux, hein. Ah non, justement, fais pas ce qu'il veut. Eh ben si, c'est lui le père, il fait ce qu'il veut.